Grosse frayeur en Floride, des flammes se sont emparées d'un avion sur le tarmac de l'aéroport de Fort Lauderdale. L'un des moteurs a pris feu alors que l'appareil était en train de rouler et se préparait à décoller. Plusieurs personnes ont été blessées, 7 en tout, dont 3 hospitalisées. Les passagers ont été évacués via les toboggans gonflables d'urgence. L'avion est un Boeing 767 de la compagnie américaine Dynamic Airways. Il devait se rendre à Caracas, au Venezuela. Le pilote de l'appareil avait signalé une fuite de carburant avant que l'avion ne prenne feu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.